Chaque année, au mois de mai, la même folie envahit les stades partout en France. L'espace de deux week-ends, à 15 jours d'intervalle, 2500 clubs arborent fièrement leurs couleurs et se défient dans des poules de 8, des plus petites divisions jusqu'à l'élite. L'athlétisme, qui reste un sport individuel en dehors, en dehors des relais, bah là, c'est une compétition par équipe. Et c'est la compétition par excellence qui permet de regrouper tout la famille de l'athlétisme. La formule est simple, deux athlètes par discipline, 39 épreuves dont 4 relais. Que l'on soit sportif du dimanche ou médaillé international, chaque performance compte. Tout le monde doit porter le maillot du club et là il court pour le club, il pue à titre individuel. C'est vraiment la manifestation collective et je pense que c'est le ciment d'un club. Pour les plus jeunes, c'est le moment justement de côtoyer un peu les champions et de faire partie de cette fête tous ensemble. Aucune fausse note, le dernier témoin a franchi la ligne. Avec plus de 1800 points d'avance, Montreuil est sacré meilleur club de France, le 17e titre de son histoire.